Les cloportes sont de forme ovale avec un ventre plat et un dos arrondi mesurant de 5 mm à 2 cm selon les espèces et généralement de couleur gris plus ou moins sombre, parfois avec une touche de brun, voire blanche, mais c'est très rare. Ils sont munis de 7 paires de pattes et ont un corps segmenté. On peut également voir sur leur tête des antennes et en bout d'abdomen des appendices plats qui servent d'organes respiratoires. Il y a 4 espèces dans le jardin. Le cloporte des caves, gris acier. Le cloporte des murs, gris brun. Le cloporte des mousses, brunâtre. Et l'armadille commune, grise, et qui se roule en boule. Les cloportes vivent dans la litière organique morte déposée sur le sol, sous les écorces des bois pourrissants, dans les fentes des rochers ou des murs. Étant des crustacés terrestres, ils ont des branchies pour respirer et une carapace non étanche, ce qui les rend donc très sensibles au dessèchement. C'est pourquoi ils ont besoin d'une atmosphère humide pour survivre, matière pourrissante, riche en eau, pièces très humides comme des caves, partout où l'humidité est importante. Ces recycleurs mangent les détritus, mais leur flore microbienne présente dans leur tube digestif est capable de dégrader aussi la cellulose. Ils consomment donc principalement des feuilles et du bois mort, des champignons, des racines, des jeunes pousses et même des cadavres des petites proies animales. Le rôle des cloportes dans la fragmentation des déchets est essentiel dans un jardin au naturel puisqu'ils vont contribuer au même titre que les vers de terre superficiels au bon compostage de nos déchets. Mais ce sont également de bons indicateurs écologiques car ils ne supportent pas les métaux lourds tels que le plomb, le zinc, le cuivre, le cadmium, etc. Le régime alimentaire est trop faible en jeunes pousses pour qu'il cause de gros dégâts dans un jardin. Mais en lieux confinés comme les serres ou les caves par exemple, ils peuvent être en surnombre et créer un déséquilibre de la biodiversité. Les cloportes sont les proies des mille-pattes, des araignées qui chassent au sol, des carabes, des crapauds et grenouilles, des orvets, des musaraignes et de divers oiseaux. On peut les attirer dans le jardin en leur confectionnant des abris comme des bûches abandonnées au pied de la haie, des grosses pierres plates dans le gazon, un mur en pierre sèche orienté au nord, des tuiles retournées. Un tapis de mousse dans un gazon ou au pied des arbres est un lieu idéal pour les cloportes. Si vous en avez trop dans votre serre, châssis ou cave, supprimez les débris de végétaux au sol et surélevez vos réserves pour éviter de leur faire des abris. Dans les caves, garages et autres lieux fermés, ils peuvent indiquer une infiltration d'eau. Pensez-y. Vous pouvez aussi les attraper en leur laissant des rondelles de carottes ou pommes de terre au sol. Il vous suffira de les ramasser tous les matins
pour récolter les cloportes et les exiler dans votre composteur. Merci d'avoir visionné cette vidéo en espérant que vous avez appris un peu plus de choses sur cet insecte et je vous dis à très bientôt pour un nouveau épisode de la série Zoom sur les insectes.